Départ Tolbiac qui devait s'arrêter au théâtre d'Odéon, qui a été annulé l'arrivée. Donc à Odéon, on verra un peu, on va voir un petit peu comment ça se passe. Quoi. Bien dormi. Ah oui. Comment en français, j'ai prévenu pour Loana de Love Story, bah du coup c'est pas trop chiffré. Où sont les femmes? Manifestants, qui vaut ce qui vaut. Il y a deux ans, tous les 1er avril, le jour de sa mort, je suis avec vous en train de chanter Où sont les femmes? Hein mes femmes? Elles sont pas belles. On appelle ça traditionnel. D'accord. Et là, vous avez le droit, comme vous êtes très gentil en ce moment, hein, vous êtes adorable, vous avez le droit de connaître le Nabio Le Gang. Il y a écrit quoi là-dessus? Il y a écrit quoi? Masque anti amende 135 €. C'est ma création faite à sa demande. Chaque personne a des gilets jaunes personnalisés. Ton personnage préféré. Pour une question de revendication. Après on m'a appris tout ça et là ça a joué sur ça, je me suis rendu. Et je rejoins les gilets jaunes parce qu'il y avait beaucoup d'humanité. Et ce qu'il faut, c'est que les gens voient, voient les yeux et qui voient toute l'humanité qu'on a, tout le cœur qu'on a, tout le grand cœur qu'on a, parce qu'on a un grand cœur, nous, qu'on soit, même quand on est quand on n'a rien dans le frigo, quand on n'a rien dans le portefeuille, alors, on est pas. Ah donc vous devez être au courant que le préfet allemand il nous a bien arrêté pour pas qu'on va à Odéon. Donc on commence un petit peu à être habitué des dérives autoritaires de monsieur l'allemand. Voilà, donc pour lui signifier notre mécontentement, soit on va jusqu'à Adenfer Rocheron, le final, parce qu'on devait terminer à Odéon. Mais ils ont peur de la convergence. Voilà, eux ce qu'ils veulent, ils veulent un peuple divisé. Ils veulent pas un peuple uni. Ils ont peur d'avoir un peuple uni devant eux. Mais c'est pas grave, on dit. Donc ils servent des lois. Le peuple, même à 4 pas. Donc cette semaine, il y a aussi les gens à Odéon qui ont reçu un arrêté à 19h30, leur signifiant qu'ils n'avaient pas le droit de sortir non plus, qu'ils n'avaient pas le droit de venir accueillir les gilets jaunes. De toute façon, on connaît la phrase fétiche de monsieur l'allemand, notre préfet de police à Paris, on n'est pas dans le même camp. Tu vois, c'est mieux. Je répète, ceux qui veulent annuler, lève la main. Non. Ceux
prends les mains, ne lève pas, ne lève pas. Ceux qui veulent la faire, lève la main. Écoutez, 50% des gens veulent annuler la manif et aller directement à Odéo. Et bien finalement, 50% des gens ont voté pour faire la manifestation.